Startup & Co. Avec nous ce soir, deux entrepreneurs qui sortent une app. Donc c'était au cœur de l'été, ça s'appelle Catch My Song. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. À ma gauche, Paul Charby et Romain Bruguière est avec nous aussi. Messieurs, donc Catch My Song, une app qui voilà, est née au cœur de l'été, au début de l'été, quoi, au mois de juin. C'est ça, exactement. C'est quoi le principe et comment c'est né dans votre esprit, ça? Alors, en fait, avec Romain, nous sommes étudiants donc à l'ESSEC. L'ESSEC, ça se situe à Cergy. Et donc, pour nous y rendre, généralement, on prend le RER. Donc, un jour, avec Romain, on se rendait à notre école. Donc, et on était assis en face d'une personne qui était absorbée par sa musique. Les écouteurs vissés dans les oreilles, tapaient du pied en rythme, bougeaient la tête de droite à gauche. Et avec Romain, on s'est regardé et on s'est demandé, mince, mais quelle est la musique que cette personne peut bien écouter pour être dans un état pareil? Et je pense que c'est un peu comme ça que on s'est tous fait la réflexion. Quoi. Tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il ou elle écoute. Ouais, tout le monde s'est un peu posé la question, comme vous dites. Après, du coup, l'idée, c'était de trouver une solution pour voir effectivement ce qu'est en train d'écouter la personne en face de soi. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur le projet Catch My Song. Et on a rencontré, là, en début janvier, Julien, le troisième associé de Catch My Song, qui est notre développeur, qui ne peut pas être là ce soir. Et donc, on a développé l'application pendant plusieurs mois et on l'a sorti sur l'Apple Store début juin. Bon, voilà. Déjà, plusieurs milliers de téléchargements. Comment ça marche là? Expliquez le principe, faut qu'on voit là. Enfin, faut qu'on imagine comment ça marche. Alors, tout d'abord, l'inscription sur Catch My Song est très simple. Elle se fait en un clic, par exemple, grâce à son compte Facebook. Oui. Et une fois qu'on arrive sur l'application, en fait, eh bien, on a accès à tous les utilisateurs qui sont géolocalisés autour de nous. Et on peut voir ce qu'ils sont en train d'écouter comme musique en ce moment même. Donc, sur cette même page, on peut également se servir d'une fonctionnalité qui sont les filtres, qui vont nous permettre de savoir qui est-ce qu'on veut découvrir, en fait. Quels sont les utilisateurs ciblés? Je veux que des jeunes, que ceux qui aiment le hip-hop, je filtre et j'aurai personne d'autre. C'est ça. Donc il y a plusieurs types de filtres. Donc il y a au niveau du sexe, de l'âge ou du genre musical. Et donc on les utilise en fonction de comment on veut utiliser l'application. C'est-à-dire que si on veut absolument faire des rencontres, on va filtrer âge et sexe. Et si on veut plutôt faire de la découverte musicale, on peut cibler. Voilà, moi j'aime la pop, le rock. Je vais cibler ces deux genres-là. Et je vais avoir uniquement les profils des utilisateurs qui écoutent majoritairement de la pop ou majoritairement du rock. Bon, là je suis en train de la tester et on me propose votre profil, Romain. Oui. Sauf qu'on me dit à moins de 200 mètres. Comment savoir que c'est vous là dans le RER? C'est-à-dire d'abord par la photo. Par la photo, effectivement, je suis un peu quiche là. Forcément, je vais vous reconnaître, oui. Mais après, en fait, là, au niveau de la localisation, c'est une issue sensible dans les applications qui utilisent cette fonctionnalité. Nous, on a choisi volontairement de ne pas afficher une géolocalisation précise pour des raisons de sécurité. Il y avait eu une affaire avec Apple, notamment. Et en utilisant l'application, on pouvait... Apple, c'est un site de rencontre, un français qui... Oui, c'est ça, qui permet de retrouver les personnes qu'on a croisées. Exactement. Et quelqu'un avait montré qu'en fait, en se positionnant à trois endroits différents, on fait un peu de triangulation et on trouve l'emplacement exact de la personne. Donc nous, on a fait attention à ça, à tout ce qui est confidentialité, et on a choisi d'afficher des distances approximatives. Bon, on découvre effectivement ce que vous écoutez actuellement, et puis toute votre playlist là, j'ai tout, Arctic Monkeys, Calvin Harris, Black Keys, Michael Moore, enfin j'ai tout. Et... qu'est-ce que j'en fais, ça? Est-ce que je peux télécharger vos playlists? Est-ce que je peux interagir avec vous? Comment ça fonctionne, quoi? Parce que ça, en fait, c'est un réseau, on l'a bien compris, c'est un réseau social. Donc, plus il y aura de monde, d'abonnés, et vous aurez une taille critique. Mm-hmm. Si effectivement, on reste à 2-3 000, bon, ça aurait été une belle histoire, mais c'est pas une scale-up, quoi. Ça va rester flat. Totalement. Notre ambition, c'est vraiment de devenir un réseau social musical. Et en fait, ben voilà, qu'est-ce que vous faites avec les derniers morceaux que Romain a écoutés? Bien, typiquement, vous pouvez les liker, par exemple, si vous souhaitez... Ok, je like. Voilà, si vous souhaitez dire à Romain que vous aimez aussi les Arctic Monkeys. Et vous pouvez aussi envoyer une demande de contact à Romain avec un premier message en lui disant, ben voilà, Romain, moi aussi, je suis fan des Arctic Monkeys. Connais-tu cette musique, par exemple? Donc, rentrer en contact, en fait, avec des personnes qui ont les mêmes goûts musicaux que vous. Et c'est un petit peu aussi l'objectif de notre application, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs d'avoir une expérience à la fois musicale et à la fois sociale. Et c'est pourquoi, notamment dans la dernière version de notre application, en fait, nous avons rajouté une caractéristique supplémentaire à l'application Catch My Song, qui sont les tendances Catch My Song. En fait, dès que vous connectez sur la page autour de moi, tout en haut, vous allez avoir les musiques les plus likées, les plus écoutées sur Catch My Song. Vous allez avoir également ce qu'on appelle la chanson du jour. Chaque jour, des labels, des blocs de musique, des associations musicales vont proposer une musique à nos utilisateurs avec une description.
Ça s'appelle Catch My Song. Un mot, Romain, pour terminer. C'est quoi là, c'est... Aujourd'hui, c'est qu'en France, c'est en Europe, c'est worldwide déjà? Alors aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont majoritairement en France. On commence à se développer à l'international, c'est-à-dire qu'on a rendu la version déjà accessible à l'international. On a des utilisateurs un peu isolés partout. On a des utilisateurs en Afrique, en Asie, en Amérique. Mais c'est... Vous êtes sur Apple et Android ou pour l'instant? Alors, que pour iOS? L'instant, on est uniquement sur iOS, mais d'accord, la version Android est déjà en cours de préparation. Et donc, elle devrait sortir d'ici quelques semaines. Oui, là, forcément, il y aura... Forcément, il y aura de nouveaux utilisateurs qui vont nous rejoindre à ce moment-là. Ça va s'accélérer nettement, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de téléphones qui tournent aujourd'hui sous Android. Merci, messieurs Paul et Romain, donc pour Catch My Song dans Startup & Co. Il est 10h-10.